Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4 Please the Giraffe. Alors nous avions fait la planète 1A, enfin 2A pardon, et la planète. Nous allons donc faire la planète 2B. Hop, nous y dirigeons, pardon, je vais y arriver. À l'heure actuelle, il y a un projet en cours sur le serveur, un projet secret auquel je ne vais pas assister, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus y participer. Par contre, je vais pas non plus aller voir ce qui se passe. Je veux être surpris en même temps que vous, chers amis. Je veux découvrir en même temps que vous ce que mes créateurs auront fait, mes très chers amis créateurs, ceux qui ont du talent, chers amis. Alors qu'apparemment, vu ce que j'ai fait de mon vaisseau, ils disent que j'en ai aussi. Mais bon, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Nous verrons bien ce qu'ils sont capables de faire et j'espère que ce sera aussi génial qu'ils le prétendent. Ça prendra du temps, mais ce n'est pas grave. Oh. Hop. C'est bon, on peut descendre. On descend. Hop. C'est parti. Ok, je m'attendais pas à ça, je l'avoue. Bah du coup, ce qu'on peut faire, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire? Hop. Si je prends ça... Hop. Crac. Et que normalement. Hop, voilà. Ça devrait se voir. Wouhou. Il y a de la canne à sucre par là. Hop, ah oui, je suis en admin parce que j'ai fait 2-3 petites choses avec justement les créateurs. Crac, voilà, je n'y suis plus, ça y est. Je suis redevenu un être humain normal, chers amis. Oh, que c'est ennuyeux. Hop. Crac, un petit peu de canne à sucre, ça tombe bien. Je cherchais du triple sec un peu plus tôt. Ce sont les poissons qui font des petites bulles qui montent, d'accord, je viens de comprendre. Ok. Oh mon dieu. Des Floranes. Hop. Vengeance. Et non. Tu vas te calmer, oui. Hop. Ok. Ok. Vengeons-nous sur ces Floranes. Hop, parfait. Je vois que ça continue à monter en plus. Ah ah! Serais-tu le maire de cette cité? Enfin, le maître de cette cité, le maître de cette ville. Ah, parce qu'en plus vous étiez deux. Excusez-vous. Excusez-vous. Ah là là, dommage qu'il n'y ait pas un système de flammes ou de destruction progressive. Par exemple, si je bute le pied du machin, tout se casse la gueule. Ce serait tellement bien. Il y aurait tellement de morts. Bah alors, tu t'approches pas? Oh, t'as pas de couilles. Oh, il m'a pas vu. C'est faux. Hop. Voilà. Oh, t'as de la chance. Je prends ça quand même au passage. Voilà. Bonjour. Reviens me voir. Non? Bon, tant pis, tu t'es fait eu quand même, c'est parfait. C'est tout ce qui compte. Ouh. Voilà. Personne ne me reconnaîtra comme ça.
Comment ça, j'ai les mains bleues et qui sont luisantes? Non, c'est faux. Je suis un dinosaure. Hop. Ce massacre à coups de bâton. Hop les. Alors là, il serait bien deux aussi. Oh, t'as de la chance. Bouffe! Il lâche pas grand chose d'intéressant en plus, hein. Certes, c'est un massacre, mais bon, c'est pas un massacre rentable en fait. Est-ce qu'ils ont des portes à leurs arbres? Non, c'est dommage, je peux pas inonder leur maison alors. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous croyez que je peux les noyer? Bah, y'a plus personne. Bah, comme ça, ça répond à ma question. Ok. Rien d'extrêmement intéressant, rien à gauche. Bonjour, hop. Ah, on en est sorti, bon. Un village en moins. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de près. Hop. Ah là là, les floranes. Faut vraiment tous les tuer. Hein. Un Black Moon. Un Black Moon. Je sais bien que tu les aimes, les floranes, mais quand même. Hop. Comprends une moins. Au moins que c'est une race de chieurs, merde. c'est pas de la healing, dommage. Oh, un coffre. Hiker jacket. C'est le hiker backpack. D'accord. Hop. And everybody get on the floor. Everybody likes it. Excusez-moi, j'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure, en fait, c'est chiant. Pas top ce qu'on trouve là, dis donc. C'est pas mirobolant, hein. Oh, si, là, il y a quelque chose. Il y a aussi les pompiers qui passent chez moi, c'est cool. Rien d'intéressant. Si j'avais su, bah, je serais pas venu. Et en plus, je suis mouillé. Voilà autre chose. Bon. Oula, va y avoir un truc par là, non? Tiens, je l'avais dit. Des glitchs, bonjour. C'est la seule raison pour laquelle j'aime les glitchs, hein. C'est parce qu'ils ont des bouquins faciles à choper. Hop. Je l'avais déjà. Ok. Enfin, c'est pas que je les adore, c'est que je les tolère en fait. On va dire ça comme ça, je les tolère. Qu'est-ce que tu me veux? Et tu crois te me suivre comme ça tout le temps ou... Il compte me suivre comme ça tout le temps. Welcome to my store. Bonjour. Alien dans ta gueule. Dans ta gueule! Pourquoi c'est ce qu'il a dit, non? Alien dans ta gueule. Hop là. Non, c'est faux, je ne pille pas vos maisons. Mouais, elle est moche. Mais c'est vraiment faux, hein, je ne pille pas vos maisons. Laisse... Oh, un ocarina. Vous savez que moi j'en ai un vrai ocarina, pas comme ça, hein, un encore plus stylé en fait. Et pour que je dise qu'il y a des choses encore plus stylées que l'Ocarina de Zelda, enfin de Link, dans The Legend of Zelda, c'est que j'en ai un stylé, hein, je peux vous le dire. J'en ai un, le Seigneur des Anneaux, je vous invite à mettre Ocarina, Seigneur des Anneaux, Elf. Ocarina, Elf, Seigneur des Anneaux. Enfin, ou Hobbit, je sais plus.
Et vous verrez, mon ocarina, il est joli. Il m'a coûté la peau du cul, mais il est joli. Puis je suis en joué, moi, au moins. Toc. Alors. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop. Crac, ça fait mal. Bonjour. Bonjour madame, non je voulais pas piller dans la caisse, excusez-moi. Je voudrais avoir je le vendeur, s'il vous plaît, pourriez-vous retourner à votre place? Merci. Qu'est-ce que vous vendez de... Ah, vous vendez de la merde. Ok, excusez-moi. Je ne savais pas. Si j'avais su, je ne vous aurais même pas parlé. Alors. Ouais, c'est ça, ouais. Oh. Si on peut même plus dire quoi que ce soit... Tiens, pour la peine, je vais assécher votre puits. De toute façon, il me faut de l'huile pour vivre, bande de nazes. Ah, mais comment je fais pour remonter? Ouh, sachant que ça va être génial. Ah bah bien. Hop là. Dommage, j'aurais bien aimé un suicide collectif. Attendez, on va les aider à remonter. Si ça marche. Par contre, si ça les rend agressifs, je suis pas dans la merde. On va plutôt mettre de l'eau comme ça. Hop. Est-ce que ça monte? Oh non, pas corgi. Yo. Hop, hop. Hop. Oh, il y en avait une là-bas, mais oh, tant pis. Ah, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as à vendre? Craftsman Tools. Que de la caca. Que du caca, du caca, du caca, du caca. Ok. Ah, il y avait un coffre. Hop. Rien du tout, là il y a un coffre. Wouhou. Ouah, deux carottes et des tomates. Du café. C'est pas bon la caféine. Ah là là, il y a des gens qui me manquent, chers amis. Moi. Bonjour. Oh. J'ai pas réussi à les esquiver. Hop. Bla. Bon bah ça tombe bien, on avait retrouvé le point de... On a fait le tour. Bon bon bon, alors est-ce qu'on va dans les profondeurs insondables de cette connerie ou pas? On va y aller pour le plaisir. On va voir déjà ce qu'on a chopé quand même dans les coffres. Avant tout. Rien d'intéressant, c'est génial. Merci le jeu. Bah du coup je vais t'ouvrir là le jeu. Hein. Je pense qu'on va creuser dans cette direction là. Et on verra bien sur quoi on va tomber. Raté, t'es trop mauvais. Aïe. Pour l'instant on tombe pas grand chose hein. Hop. C'est même un peu carrément vide. Hein.
Ouais. Ah, un autre biome, ça y est. Apparemment, il y avait du charbon dedans, non? Ah, tiens, ça aussi c'est nouveau. Wet dirt. En plus, apparemment, on arrive à l'endroit où il faut. Oh, mais c'est que c'est joli en plus. Et genre, on pourrait y trouver un coffre ou. Non, je crois qu'il y en avait un là en fait. Apparemment, non. Raté. Hop. Là non plus. Bah non, apparemment il n'y a rien dedans en fait. C'est un biome, c'est juste un biome un petit peu plus joli que le reste. J'aurais bien aimé trouver quelque chose, mais bon. On n'a pas toujours ce qu'on veut, chers amis. Hein. Pas toujours. C'est embêtant. J'ai entendu un truc un peu plus intéressant, sachant que c'est une des premières planètes, je me suis dit il va peut-être avoir plus de travail de fait sur une des premières par rapport aux dernières, les volcaniques, tout ça. Au final je me trompe peut-être. Ouais. Ah tiens, je suis dans le gravier. Alors on m'a donné une astuce, faudra qu'on aille la tester, chers amis. Apparemment, on peut aller dans les planètes magma avec du gravier, faudra qu'on m'explique déjà comment. Exactement, et que je puisse aller voir ensuite en faire peut-être un épisode si ça peut être drôle. Là, il y a un coffre. Je vais en voir un en bas aussi d'ailleurs. Hop, attends, on va aller commencer par celui-là. Rien d'intéressant. Et ici, rien d'intéressant. Génial. Oui, rien d'intéressant, génial. Sarcasme. Bon. Pas tard d'arriver en plus dans le magma. Oh, un biome champignon sous terre. Peut-être qu'on va tomber dessus. Ah, le voilà. Allez voir qu'il n'y a pas grand chose. Bonjour. Normalement, il n'y a pas énormément de choses à tomber là-dedans. Oula, la roche est dure par là. Je considère pas que ça touche. D'accord. Faisons tomber un coffre, ça pourrait être sympa. Ou alors au moins les PNJ. On a quelque chose à taper. Non? Même pas? Même pas. Oula, il y a eu du coffre. Hop. On continue. Crac. Et on arrive dans les profondeurs insondables de cette planète. Comment je vais faire pour remonter? Pourquoi c'est toujours mon problème? Non, encore j'ai. La politesse, non mais oh. Je t'ai pas élevé comme ça. Non, c'est mort. Ça devient redondant sinon. Ouh! Des nains! Enfin, des gnomes. Bah non, du coup. Le mec, il a envie de me tuer, mais. Bah, voilà! C'est dit! Pam 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 p
Ah, ça qu'il fallait que je mette de la musique. Hop. C'est excuse bidon. Qui est d'accord avec moi pour dire qu'il cherche une excuse bidon pour me tuer? Putain, mais ils passent et ils rapassent, les gendarmes. Non, ça c'est les flics. Oula, c'est pas bon signe. Y aurait-il eu un attentat près de chez moi? C'est tellement ça ma ville. 2000, 3000 habitants à peine. Et pourtant il y a des... Alors attendez, 3000 habitants, dans ma ville on trouve des cadavres de bébés dans des poubelles. C'est une poubelle ou c'est une glacière, je sais plus. Je sais plus. Olé. On remonte. On va être mort avant, on va pas se régène. Hein. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Hop. Blabla, c'est pas ce que je voulais faire. Bon bah tant pis, au moins on est remonté. Bon bah écoutez les amis, on va mettre fin à cet épisode de Starbound, ce premier épisode de ma session à moi. Il y en aura deux ou trois. Trois je pense. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.